De faire ton intro, Fred. Mais salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout pour une nouvelle vidéo RP Taxi de Max Fusion comme d'habitude. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et là on commence, voilà. Je commence en tant que flic comme d'hab, hein, pour pas changer. Voilà, bon bah salut tout le monde. Et bonjour aussi les gens. Ouais, salut Fred. Allô. Salut. Ouais. Yo, oh, salut. Comment allez-vous les abonnés? Yo. C'est nous. Hacker, tu m'as envoyé le message de début pour regarder ta destination. Merde, je sais même pas quelle est ma destination pour l'instant. Ouais, faut que tu me le marques, hein. Ouais. Et tu me précises ce que tu fais, genre taxi simple. Taxi simple ou émigré, parce que tu viens de commencer. Ouais, c'était un collègue. Ah oui, oui. Papir. Pas mal. Putain, Fab, t'es là. Vas-y, place. Ouais, mets-toi de l'autre côté. Comme ça, c'est par d'ici, ils vont partir à fond, tu vois. Bah, de l'autre côté, je dis en face, de l'autre côté de rampant, quoi, à l'entrée de l'autoroute. Merde, je me suis pouca. Tant pis, attends, je me mets à l'entrée, voilà. Voilà, comme t'es là, là. Voilà. Mais tout le monde connaît les règles au moins, les gars, parce que. Il y a des nouvelles personnes. Eh, hey, mais les gars, il y a un point là. La Mercedes, oh, je t'arrête. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la vitesse que vous avez fait? Vous avez même pas fait votre stop. Ok, stop en ligne droite. Ben non, vous avez tourné à droite. Quoi? Vous avez tourné à droite sans faire le stop, sans faire l'arrêt. Sans marquer le stop. Ouais, non, sans... mais les gars, le stop, je sais pas si j'ai le droit, mais. Bah, un arrêt, c'est ma femme qui m'a fait le stop. Mais les gars, t'es mal, qu'est-ce qu'il fait? Parle pas, Fabien. Il a dit qu'on comptait pas le stop. Bah, suivre. Les papiers de véhicule et les clés, s'il vous plaît. Bah, vas-y, tiens, je te donne les papiers. Klaxonner, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous êtes au courant du transport, transport des migrants ces temps-ci? Oui, je suis au courant, mais voilà, je ne pratique pas ça. Pas rappelé, merci, au revoir. Mmh. Les flics, vous devez rouler un peu. Fab, j'avance un peu plus loin sur la route. Ok. Vous voulez le PNJ qui roule pas vite par contre. Non, mais juste il y a un point de groupe là, un point vert, il est chiant. Ouais. Ah, attends, non, moi je l'ai pas. Bien, je l'enlève. Là, il y en a encore. Le taxi, il est... c'est sûr qu'il est parti en fou. Ouais, ouais. Il y avait une SUV qui est partie à fond. Parce qu'elle est passée devant moi et puis je l'ai... elle a disparu d'un coup. Elle est passée fond de balle, je pense. De quoi? Rien. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Papier du véhicule, s'il vous plaît. C'est juste un contrôle de routine. Merci. Oui. Alors attendez voir. Tout a l'air d'être en règle. Monsieur, vous pouvez klaxonner s'il vous plaît? Oh putain. Oh, c'est quoi ce klaxon, monsieur? Le klaxon. J'ai oublié de mettre celui d'origine. Ce n'est... Ah monsieur, il faut remettre le klaxon d'origine. Ça vous fera 500 euros, monsieur. Est-ce que la centrale pourrait me contrôler la plaque, s'il vous plaît? Bien sûr, la plaque est de Maxence. Oui. Il est parti à la mine à fond. C'est 160300. Nickel, c'est la bonne. Je voudrais savoir, monsieur, qu'est-ce que vous transportiez dans votre voiture? Est-ce qu'il y a du trafic de migrants en ce moment? Non, c'est une personne normale qui doit atteindre l'aéroport. C'est une personne normale? D'accord, monsieur, sans oui, souci. Donc vous avez juste une petite amende de 500 euros. Mais je vous enlève pas de points, c'est juste pour le klaxon, tranquille, voilà. Il n'y a pas de points d'enlever, voilà. Juste une petite amende de 500 euros. D'accord. Merci, monsieur, vous pouvez repartir. Bonne journée. Merci, bon courage, au revoir, monsieur. Merci. Bon, les gars, il est passé sur l'autoroute. Oula, Papy Fusion, t'es dans la merde. Ouais. Voiture qui va arriver dans pas longtemps, que j'ai interpellé, tout est en règle.
qui est sur l'autoroute. Tout est en règle. Sauf le klaxon, j'ai déjà mis l'amende. Parfait. En chasse d'une voiture de type Mercedes sur, à fond de balle sur l'autoroute. Direction de la plaine. Okay. Direction chantier. Je fais un barrage à la sortie. Je l'ai en visuel. Direction la chantier. Chantier ou mine. Vers mine, pardon. Ok, je fais un barrage là. Je suis à la sortie. J'arrive en contresens. C'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Bonjour monsieur. Police nationale. On va se garer sur le côté, monsieur. Donc, monsieur. Vous savez pourquoi je vous contrôle? Non, parce que ça fait 12 secondes. J'ai pas de flic, moi, dans mon rétro. Hein. Non, arrête. Non, juste pour dire, attendez, monsieur l'agent, je l'ai vu faire une grosse excès de vitesse. Aussi, donc, monsieur, je vous ai vu en plein milieu des devoirs. Hein. Un truc de vraiment très normal. Excès de vitesse. Excès de vitesse quand même. Donc, on va dire conduite dangereuse et excès de vitesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, monsieur? Oui, d'accord. Donc, Par contre, vous dépêchez, j'ai Marine Le Pen dans le... Ah oui, monsieur, vous pouvez vous faire un petit coup de klaxon, s'il vous plaît. D'accord, et à vous de transporter de... Enfin, en ce moment, nous avons beaucoup d'afflux de migrants, de terroristes. Est-ce que vous en avez dans les véhicules? Non, je ne sais pas. Vous pouvez voir. Ouais. D'accord, monsieur. Donc, ce sera 3000 euros d'amende en tout et un point en moins sur votre permis, monsieur. D'accord. Tout va. Il m'en fout la chance. Attendez. Il est où? Tu m'as dit. C'est sur 3000 euros. Il est à 1000 là. Sur et la un route point de Goliath. Oui. Okay. D'accord. Bah attends, je suis à la mine. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Merci. Je vais regarder par là. Route de Goliath, du V. Je vais faire une petite surveillance en campagne, les gars. Ouais, moi je suis en surveillance à la mine. La voiture de la BRI retourne sur l'autoroute. Pas de soucis, je vais savoir, c'était quel véhicule que vous cherchiez, monsieur. Les gars, c'est une Subaru que je la vois passer de temps en temps, mais oui. Faut voir qu'est-ce qu'elle fait. Attends, je suis en train de venir, okay. Voilà la petite mission, la petite mission. Genre, et oula, monsieur Maxence Le Béjour va s'arrêter, monsieur. Ah oui, ça part. Ouais, en sorte. C'est un klaxon, on m'a dit vraiment. Ouais, je vais le prendre. Je lui ai déjà mis. Non, je l'ai su, t'inquiète. Oui, mais j'ai été tolérant. Donc, monsieur, là, c'est quoi ça? Bonjour, monsieur. Faut pas faire de fou. Vous savez pourquoi je vous arrête ou pas, monsieur? Bah non, pas du tout. Bah, il faut respecter un petit peu les distances de sécurité quand même. Excusez-moi, il y a un PNJ qui a spawn juste devant moi, donc voilà quoi. C'est qui PNJ, monsieur? C'est une nouvelle assurance, c'est ça? Ouais, c'est pas une nouvelle assurance. Puis-je savoir. Non, rien, monsieur. Vous avez une carte de place. Donc, ce sera un avertissement, mais la prochaine fois, monsieur, vous allez prendre cher. Préparez votre cul, ça va faire mal. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Merci à vous aussi. Et maintenant, à cœur, maintenant que tu as livré, bah, tu me renvoies un nouveau message pour ta nouvelle décision. C'est ce que j'allais faire. D'accord, c'est ce que j'allais faire. Une question. Tout à l'heure, tu m'as parlé de des changements de... Voilà, okay. De place.
c'est que le truc automatique, hein, on est d'accord. Parce que j'ai... Ah non. J'ai rien fait, hein. Oula. En fait, pour les changements de classe, des véhicules. J'ai rien fait, hein. J'ai... Ma voiture, je l'ai pas touchée, hein. Attends. Maintenant, si tu veux changer de classe, tu dois payer 10 000 et après t'améliores comme tu veux jusqu'à la classe que t'as changé. Chaque classe que tu changes, c'est 10 000. La BM en avance, si on s'arrête. Non, c'est 10 000, après d'accord. C'est 20 000. En fait, plus ça va, plus le changement des 10 000 à chaque fois. D'accord, mais. Parce que là, pour l'instant, j'ai 5 000, d'accord. Ça, non, mais par rapport à ce qui me reste de ce que j'avais acheté avec l'argent de la voiture, non, c'est plus bon. Ouais, ouais, mais t'inquiète, je vais faire du tout là. D'accord, non, mais c'est pour que je comprenne. La BM, et là, il faut. Je vais avoir le papier de véhicule, s'il vous plaît. Je vais passer au parc auto, parce que. La BM, et là, il faut. Je vais avoir le papier de véhicule, s'il vous plaît. Mais hey, je n'aime jamais assez, moi. C'est un peu là qui vient. Est-ce que tu veux que je vous... J'ai un client qui m'a demandé une destination, le Starbucks Café de Byron Bay. La BM klaxon. Là, il faut klaxon. Vous êtes au courant du transport des midi. Oh, c'est quoi cette vitesse, lui? Vous êtes au courant du transport des migrants en autoroute vers Enfant Paradise, okay. Il arrive au rond-point. Qu'est-ce que vous transportez dans votre véhicule? Des gens, des terroristes, des immigrants, des personnes normales, etc. Ah, il est vraiment parti à fond. Ok. Au début, je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un là-bas. Je l'avais pris en chasse au début, il m'a tracé. Quelque chose à signaler pour la journée. Rien n'est signalé pour le moment sur l'autoroute. Quoique. Campagne, c'est clean. J'ai croisé personne dans mon campagne. Un petit point sur Surfer n'importe où, hop, hop. Putain, mais t'as abusé. Fab, tu arrives à trouver des gens, quoi. C'est que t'as perdu, non? Attends, j'ai un numéro qui m'appelle, moi. Mais il est dans Surfer, il est parti à fond, c'est sûr. Fais une reco, au pire. Ah, fais une reco, vite fait, collègue. Donnez-moi 5 minutes, j'arrive. Ouais, quoique, attends, je suis peut-être sur un plan là, donc la faisait pas maintenant, s'il vous plaît. La faites pas maintenant. Le flic qui on dirait un paysan, mec, il est dans les champs. Oula, ouais, lui, oh, désolé. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a que Monster pour faire ça. Sérieusement, ouais. Tu vois, moi, je suis un genre de fermier police. Ouais, mais mets des amendes au lieu de faire la fermier. Le bâtard. Oh, ma bagnole, elle tire à droite. Parce qu'elle tire à tuning. Est-ce que t'as l'autre direction? Ah ouais, ouais, là, il tire un tuning. Là. Qu'est-ce qu'il fait, Rambo? Je suis flic. Putain, mais te déporte pas devant moi, t'es con. Arrêtez-vous, la super rue, s'il vous plaît.
Ah bah au lieu de klaxonner, dis-le. Subaru. Mais quand t'entends la sirène, parce que ça les arrive. Bah non, quand tu parles avant. Ok, oui, oui, bonjour, j'aimerais avoir le papier de Bacon l'exil. Oui, sûr. Bonne année, monsieur. Et klaxonner. Oui, une seconde. Ah. Central, j'aimerais avoir la plaque de Titus. Perte de temps. Attendez. Tito, c'est quoi la plaque de Tito? Attendez, parce que moi je suis conduit aussi. 580 YTB86. Ouais, c'est ça. Vous êtes au courant du transport des migrants ces jours-ci? Oui, j'en ai entendu parler aux infos, oui, mais non. Je pense que vous allez me dire vous en faites. Moi non, ça m'intéresse pas. Ok, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous transportez? Ouais, je ne suis pas en infraction, monsieur, donc j'ai le droit de ne pas vous le dire. D'accord, tenez vos papiers et vos clés et passez une bonne journée. Merci, monsieur, à vous. Mais en passant, votre voiture elle tire un peu vers la gauche. Merci, c'est fait. Au revoir, monsieur. Bah, ça, c'est dangereux pour les autres. Et pourtant, j'ai pas eu de dégâts, je comprenais rien. À moins que ça doit être le joystick qui est mort, mais bon. Tito, à vol, il était belle, ma cachette. Collègue, besoin de reconnaissance. Oui. Oui, je suis à l'écoute. Besoin de reconnaissance, s'il vous plaît. Ça. Un peu partout. Un peu partout, ouais. L'autoroute, pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être juste ça, tout de suite. Ah, c'est déjà ton frère. C'est mieux parce que le PC n'avance pas, il bloque la route. Ouais. Vous arrivez à mettre des amendes là, trop dur? Ouais, il y a beaucoup de choses. Là, je suis avec eux. Il y a de voir un bordel passé là, c'est passé quoi? C'est quoi que. Je à plein de pages. Aucun Mercedes. Ah, j'ai pas dépassé 180 là. Contrôle de routine, monsieur. Franchement, je vais aller en excès de vitesse avec un flic collé à mon cul. En plus, avec un Lamborghini. Allez. Contrôle de routine, monsieur. Je me dis peut-être tu viens avec moi. T'as plus rien qu'à attendre. Contrôle de routine, monsieur. Allez, avant. Avec ton X5. C'est 3 ans. Ça se voit où? Ça, toujours, oui. C'était. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va récupérer les papiers véhicules, s'il vous plaît. Putain, mais arrête, Daniel. Pourquoi tu voulais à 70 sur un autoroute? Non, mais parce que je t'ai vu arriver à fond derrière moi, gros. Je suis à 300, je te vois arriver. Faut qu'elle sonne. Viens, okay. Arrête-toi. Tu vas pas me dire que t'as pas fait d'accès de vitesse. Transporter quoi, monsieur? Je ne suis pas en infraction, monsieur. Je ne Papi, suis pas obligé. Avoue, t'as fait un très gros excès de vitesse là. Moi je le sais. Zigzag, t'as 300, tu m'as rattrapé. Laissez faire l'intervention. Je zigzag bien, non, monsieur. J'étais juste sur la file de droite. De quoi, papy? Le fil de droite, c'est un simple zigzag, monsieur. Non, j'étais juste sur la file de droite, monsieur. Lui, roule 3, trop vite, lui. Ouais, j'ai vu qu'il roulait un peu fort, mais j'étais pas sûr. Donc, ça ira pour cette fois. Okay, au revoir, monsieur. Ça ira pour la science, tu t'arrêtes. Non, c'est bon, vas-y, Lamborghini, contrôle-moi. Donc, oui, monsieur, bonjour, venez au contrôle pour un gros excès. Je crois que c'est une barou, mais bon. Parce que. Vous contestez, c'est ça, monsieur? Bah, c'est pas moi. Bah, monsieur, j'étais appelé par tes collègues. J'ai fait une pointe à 300 km/h et d'un coup je vois qui arrivait sur mon rétroviseur
Parce que je sache, la limitation ici c'est 180 km/h. Vous avez freiné à 70, monsieur. Vous avez freiné, vous avez freiné à 70. Oui, monsieur, parce que je vous ai vu débouler dans mon cul. Monsieur, vous avez fait. Monsieur, vous n'allez pas contester que vous avez fait un très gros excès de vitesse quand même. Très gros. En plein milieu de la route. Très très gros. Si, 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 monsieur, un gros excès de vitesse. Monsieur, je pense que vous connaissez un minimum la loi. Donc, mise en danger d'autrui, ce sera 2 000 euros. Plus 0 points. Et gros excès de vitesse, 3 000 euros, monsieur. J'avance à 40 là, mec. Allez. Voilà, monsieur. D'accord, je peux repartir. Et je suis gentil, monsieur, j'aurais pu vous mettre les dépassements. Allez. Vous pouvez y aller, monsieur. Bonne journée, au revoir. Oui. Ah, oh, bah, il y a du monde, monsieur, comme on dit aussi. Ok, je vous ai vu taper une accélération, du coup, je considère ça comme une petite vitesse, un petit excès de vitesse. Ça va être 750 euros. Et ça va être un point dans le... Quoi? Monsieur, je vous ai suivi, ok, vous avez tracé, j'avais de la... Non, j'avais de la difficulté à vous rattraper. Vous étiez à 330, vous étiez bien suivi, après le pont. J'ai fait un demi-tour, je vous ai suivi, je vous ai vu dépasser à toute vitesse. D'accord, du coup, ça fait 750 euros d'amende et un point. D'accord, pas de soucis. Aussi, est-ce que je pourrais avoir les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Oui, tenez. D'accord, klaxonneur. Ok, klaxon modifié, du coup, ça va faire un 500. Non, je lui ai déjà mis celle-là. Je lui ai déjà mis celle-là, collègue. Ok. Arrête. Aussi, qu'est-ce que vous transportez dans votre... Oh putain, ah oui, de peur qu'il s'en va. J'aurais dû te demander, je suis sûr que vous ne montez pas. Hein. Non, pas du tout. Tenez, alors je vous invite à écrire votre message. Merci. Passez une bonne journée. D'accord, merci. Hop là. C'est qui avait dit 750 euros, 500 que t'avais dit immigré là? Si, j'ai contrôlé Max, je suis sûr qu'elle avait de l'immigré là. Ouais, qui ça? Max, là quand encore. Je c'est normal. Bonjour monsieur. Tout sur le chaussée. Putain, un point pour le demi-tour sur le rez-de-chaussée. Sur la chaussée. Hop. Non monsieur, j'étais sur la chaussée. Ah, t'es où monsieur? Tourné à droite. Merci. Parce qu'il y avait la route. Non, vous avez bien fait demi-tour. Non, et vous êtes allé à 250 là, putain. Non, un demi-tour, monsieur, c'est aller dans le sens inverse d'où on... Alors, je vais vous montrer. Attendez que mon collègue est fini. Vous avez fait comme ça, et là, il y a la route. Non, ici. Vas-y, là, par contre. Vous avez fait comme ça. Il est là, Fab. Non, mais rien, Lucas, ouais, je t'ai fait comme ça. Viens voir. Passe la seconde, ça serait mieux. C'est qui la Mitsubishi, les gars? J'étais au niveau des bancs, là. On est bien d'accord. Non, c'est qui la Mitsubishi? Un demi-tour pour moi. Ah, ok. C'est reprendre sur sa route. Bon, attends deux secondes, frère. Ils ont et fait. Repartir ouais. Par là-bas. Et j'ai pas fait ça. C'était à peu près par là. Et t'as fait comme ça. Ouais. Oui, donc j'ai tourné à droite. Non, autant pour moi. Bon, voilà, je fais mon arrestation. Voilà. Bonjour, monsieur. T'es mal lu. Excès de vitesse d'un Mercedes là. Attends, Fab. Bonjour monsieur. Attends. Je viens de le voir, je le prends. Alors, vous savez pourquoi je vous arrête? Non monsieur. Alors déjà, on va commencer par un petit contrôle de routine des familles. Oh. Donc vos papiers s'il vous plaît monsieur. Le klaxon. Le klaxon est en ordre. Les papiers, ils sont nickel. Je voudrais vérifier votre plaque de la centrale s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir la plaque? Salut, de la Mitsubishi? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des trucs à signaler? C'est marrant, on l'a loupé. Pousse-toi la Audi, putain. La Mitsubishi, c'est laquelle? C'est qui tu contrôles? C'est Graxo. Graxo. BA06767.
Nickel, la plaque elle est en règle. Alors je vais vous demander, monsieur, je vous ai vu débouler devant moi comme ça, vous m'avez pas laissé la priorité. Vous connaissez bien le code de la route d'Australie ou pas? Parce que j'étais en train d'arriver quand même. Je vous ai vraiment pas vu en fait. Vous foutez un petit peu de moi quand même, monsieur. Non, monsieur, en fait. En fait, j'ai voulu freiner. Vous étiez à l'arrêt, monsieur. Je vous ai surveillé, vous étiez déjà à l'arrêt. Donc vous foutez de ma gueule en fait. Oh, la Mercedes, je t'arrête. Monsieur, s'il vous plaît. Je m'excuse. Sur une Mercedes. Vous voulez. Ouais, mais je passe un peu d'argent, vous me donnez une amende, mais sans points. Sur un chemin de campagne. Ça dépend, si vous contrôlez des immigrés, je vais vous prendre cher. Hein. Moins que le tarif habituel, mais. Ça peut le faire, ça peut aller loin. C'est un contrôle de routine. Ah, bah oui, mais monsieur. Déjà, vous avez fait une erreur, donc. Dites-moi ce que vous avez réellement, monsieur. T'as la carte, fais-moi un extrait. S'il vous plaît, un avertissement, monsieur. Monsieur, vous transportez quoi dans votre coffre, s'il vous plaît? Ne négociez pas. Ça peut aller plus loin. Monsieur, je transporte rien dans le coffre. Non, mais oui, mais comme passager, vous transportez quoi sinon? Parce qu'il y a des transports d'immigrants en ce moment. Dire, c'est un simple contrôle. Monsieur, vous avez quand même fait une erreur. Vous avez déboulé devant moi alors que j'arrivais. Oui, mais monsieur, avant que vous m'ayez demandé le motif du contrôle, j'ai fait un simple contrôle. Oui, mais vous étiez en erreur. Vous n'aurez pas fait d'infraction, vous n'aurez pas déboulé devant moi, vous m'aurez laissé passer, monsieur. Il n'y a pas eu de souci. En plus, vous avez commencé à vouloir me sortir des mythos ou foutre de ma gueule, monsieur. J'apprécie pas trop. Ça va, bon, je suis... Vous êtes là, monsieur? Oui, je suis là, monsieur. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai refusé d'obtempérer. Oui, monsieur. Donc pourquoi vous essayez de me sortir des mythos alors que vous me voyez au loin et vous étiez à l'arrêt? Me mentez pas, monsieur. Moi, je peux aller loin quand même. Moi, je peux faire des histoires. J'étais pas contrôlé, je vous ai vu, mais au loin, monsieur. Et en fait, par après, j'ai vu qu'il y avait un PNJ qui traversait devant moi, donc je me suis dit... Ce n'est pas ce PNJ. Non, monsieur, il n'y a pas de ça, non. Vous devez pas suivre les autres, vous devez conduire pour vous-même. Donc du coup, vu que vous avez essayé de négocier et de me dire n'importe quoi, monsieur, j'ai le droit de vérifier justement ce que vous aviez, parce que vous êtes en mini-infraction et en plus de ça, vous essayez de me mentir. On n'en parle à la gendarmerie, monsieur. Vous avez dit simple contrôle. Oui, simple contrôle, mais vous essayez de me sortir un mytho quand je vous ai dit votre petite infraction. J'allais rien vous mettre à la base. Je vous ai juste dit que vous avez fait une petite infraction. Et vous avez essayé de me mentir. Je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous. Je vous ai pas menti. Non, mais monsieur, vous foutez un petit peu de ma gueule. Vous m'avez dit oui, je vous ai pas vu. Après, vous me dites que vous m'avez vu. Ça va pas le faire, monsieur. Mais monsieur, et je vais m'énerver. Je pensais pas que vous étiez aussi près. Non, mais monsieur, je vais m'énerver. Ne contestez pas. Ça peut aller jusqu'à 150 000 euros d'amende et retrait du véhicule. 150 000 euros d'amende, monsieur, ça fait beaucoup. Hein. Bah, ça peut aller loin. Donc, dites-moi la vérité, monsieur. Déjà, vous avez voulu me mentir, refus d'obtempérer. J'ai voulu être gentil avec vous, mais monsieur, bon. La vérité. Petit excès en plus. C'est vrai que je vous ai vu. Monsieur, l'excès de merci. Vitesse, ça c'est fou. Non, pas l'excès de vitesse, mais je veux dire le petit... Vous m'avez compris, hein. L'erreur que vous avez fait, vous la connaissez de toute façon. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Monsieur, non, c'est pas le petit excès de vitesse. La seule erreur que j'ai fait, c'est que en passant la vitesse, je l'ai mal passé. Donc c'est deux allé minutes. Un peu dans les tours, c'est tout. C'est à vous de gérer votre vitesse, monsieur. Je suis désolé. Ok. Les gars, dernière livraison, ok. Donc qu'est-ce que vous transportez, monsieur, réellement? Fragment dans votre voiture. Vous êtes en infraction, monsieur. Vous êtes en infraction. J'ai le droit de savoir. Oui. Au début, vous avez dit simple contrôle. Oui, j'ai dit simple contrôle. Mais après, vous avez voulu monter un bateau. Alors que vous avez fait une petite infraction. J'ai voulu vous la sortir. Vous m'avez monté en bateau. Du coup, vous êtes encore en plus grosse infraction et vous n'êtes pas en passe de parler. Avant, je vous ai dit, je vous ai pas vu. Ouais, mais vous n'êtes pas en passe de négocier, monsieur. Donc d'accord, vous voulez pas me dire ce que vous avez, mais pour la petite infraction, je vous enlèverai quand même 500 euros. Mais non, mais pour l'offre d'obtempérer. Enfin, tu l'arrêtes pour une raison. Bah oui, mais mec, il m'a coupé le stop et tout. Merci, monsieur, au revoir. Mais putain, mais t'es con, il est obligé de te dire normalement, il fait pas RP. Bah ouais, mais si. Oui. Vas-y. Il est passé encore une fois à faux. Putain. Eh gros, t'aurais pu lui mettre au moins 40 000. Attendez, je fais mon truc. Taisez-vous, les mecs. Il a des terroristes et tout. C'est ça. Vas-y.
Oui, bonjour la chambre. Oh bah alors. Je suis à 130, je dois faire quoi? Je vous ai vu à faire un excès. Et tu viens, tu drifts. Je vous ai vu prendre les virages. Non, j'ai dérapé, t'as vu le mouillé. Du coup, ma collègue. Déjà pour le contresens, c'est 1000 euros d'amende et 2 points. Mais monsieur, déjà, ça fait je ça suis pas allé en contresens. Monsieur, je vous ai vu de loin dans les virages, vous avez été en contresens.